Salut à toi, c'est Games, Maître Games. Non, je déconne. Vous savez, dans la vie, il y a un truc que je déteste le plus au monde. C'est la canicule. Parce qu'il fait chaud. De toute façon, je comprends pas les gens qui préfèrent franchement hein, l'été à l'hiver. Qu'est-ce que tu préfères l'été à l'hiver? T'es au courant que tu pues? Genre, tu pues, tu vois. Ça veut dire que tu transpires, tu pues. Mais tu préfères ça, toi? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà pris les transports en commun à l'heure de pointe en été? Moi, je vous dis, il y en a, ils se lavent pas beaucoup. Parce que moi, tu sais, je préfère l'hiver. Parce qu'à l'hiver, je sens bon, tu vois, je peux m'habiller comme je veux. Tatati, tatata, tu peux te couvrir. Moi, ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est les gens qui préfèrent l'été à l'hiver. En gros, tu préfères puer. En gros, c'est ça, tu préfères puer, tu préfères sentir le protège-tibia. Parce que franchement, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de transpirer en été? Oui, mais il y a la piscine, tatati, tatata. Et quand tu sors, il fait chaud, t'as la chaleur. Non, moi, je peux pas, là, en ce moment, c'est la clavicule, c'est la canicule, j'en peux plus. Moi, l'été. C'est pas mon ami, tu sais. Toi, je suis blanc, je ressemble à un cachet d'aspirine. Moi, le soleil, il me fait devenir rouge, les gars. Tu vois le cul rouge? C'est moi, tu vois. Sauf que moi, j'ai pas les muscles. Voilà, je suis juste le squelette, quoi. Il me reste que ça. Il me reste pas beaucoup de choses, en vrai. Non, parce que là, en vrai de vrai, les gars, j'ai changé de t-shirt. Mais en vrai de vrai, ici, avec un t-shirt gris, c'est les lacs du Colémara. Vous voyez pas ce que je veux dire? Il fait chaud. Qu'est-ce que tu aimes, la chaleur? Personne n'aime la chaleur. Qui aime la chaleur? Personne peut aimer la chaleur. Le froid, tu peux te couvrir, tu mets des gants, t'es tranquille. Mais là, en vrai de vrai, il fait trop chaud. En plus, le temps, il est indécis. Le temps, c'est... J'ai l'impression, le temps, c'est devenu une femme. D'un coup, ça passe de 36 degrés. La semaine prochaine, il fait 22, les gars. Je vous explique, je m'embrouille avec mon gars. Et dans l'embrouille, je lui dis, barre-toi. Et le gars, il se barre. What the fuck? Le réchauffement climatique. Moi, je vous dis, dans quelques années, Oh, la planète, elle va exploser, les gars. Ah non, la planète, elle va exploser. On va pas survivre à cette chaleur. Moi, je vous le dis, je suis en train de fondre, là. Moi, les gars, j'ai pas de graisse, tu vois, parce que je veux dire... Tu vois mon corps, mon bras. Est-ce que tu vois mon bras? Mon bras, c'est la perche de mon micro. Tu vois, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Quand il fait chaud, tu perds de la graisse dans la logique. J'ai rien à perdre. Comment je fais? Ah, je sais pas, mon frère, c'est quoi ça? Il fait chaud, le temps il est indécis. Nous on est là. Maintenant ils disent, ouais, l'été c'est bien, je suis pressé d'être en été, tatati, tatata, pour être au final chez toi. En vrai, je suis pas loin de sortir avec mon chapeau dehors, hein, mon chapeau de cow-boy, hein, de sortir dehors, de me dire, non mais en vrai de vrai, je devrais sortir avec ça. J'ai l'impression d'être dans le Texas. Je vous jure, les gars, je sors dehors, il y a des boules de foin là qui tournent, c'est normal, tu vois. Le soleil en lui-même, il a chaud. La planète en elle-même a la chaud. Comment tu peux préférer l'été à l'hiver? Parce qu'en soi, la canicule, la clim, etc., ça passe, ok. Mais quand t'as des éoliennes devant, là, les petits ventilateurs qui te font du vent pendant 30 secondes, 30 minutes, ça dépend combien de temps tu restes dessus. Le moment où tu te détaches de ce ventilateur, t'as chaud? Ça sert à que dalle. Écoutez-moi, non, mais ça sert à que dalle. C'est comme mon existence. Ça sert à que dalle. Il y en a, oui, moi je préfère l'été, qu'est-ce que tu veux, l'hiver ça pue la merde, tatati, tatata. Genre, t'aimes bien les gens qui puent. Il y a des gens, ils transpirent, t'as l'impression ils ont pris une douche, mais ils sentent le fuck. Vous voyez de quel type de personne je parle? Vous avez peut-être cette personne-là, parce que souvent c'est dans les trains qu'on les voit, ça goûte comme ça. Tu crois que lui, il va te dire qu'il préfère l'été à l'hiver? Oui, bien sûr, évidemment, loin de moi. Tu m'approches, tu pues comme ça? Là-bas, regarde, là-bas il y a une douche. Ah, écoute. Ushuaïa. Là-bas, c'est bien. Parce qu'avec tout ça, tous ces changements, avec ventilateur, etc., à un moment donné, ah, ta gorge, elle va prendre cher. Climatisation et tout, tu vas tomber malade. C'est la pire chose de tomber malade en été. T'as chaud, plus la chaleur de dehors, plus t'es malade, plus tu vomis, et plus t'as mal à la gorge, tu tousses. C'est la fin de cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup plu. Voilà, je voulais vous parler de ça. Parce que moi, je suis pas quelqu'un du tout qui aime l'été. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je déteste la chaleur. Oh, c'est une dinguerie. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu. Maximum de pouces bleus, d'abonnements, activez la cloche. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Tchuss.